Madame et Monsieur, bonjour et bienvenue sur Nyon's Reborn. Waouh! Le témoignage qui va suivre est un témoignage très puissant, une vidéo waouh, extraordinaire, où on nous dit des choses. Je suis sûr que vous avez vu dans le titre, je suis sûr que vous avez vu et que vous êtes curieux de voir ce qui va se passer. Alors, je vous dis bon visionnage à tous, bonne compréhension et surtout, priez le Seigneur Jésus-Christ à la fin, qui va répandre son esprit sur vous. Vous sauver. Bon visionnage à tous. Surtout, en dessous de cette vidéo, c'est tous abonnés. Cliquez là-dessus, abonnez-vous, activez la cloche, ne pas manquer la prochaine vidéo qui va suivre celle-ci. Celle-là. À bientôt. Merci beaucoup. Que le Seigneur soit loué. Après kumurudisha, wakati mina rudia tena muchanda, banatosha mbabula moya ya moto, bananipatia. Après l'avoir retourné à la maison, je suis entré dans, je suis allé encore dans le monde de la sorcellerie. On m'a donné un brasero où il y avait le feu. Ile mbabula bananipatia kwangu niweke kunyumba kama mtu anakulopola moto anze kubeba paka paile. Alors on m'a demandé de mettre ces brasero à la maison. Si quelqu'un vient demander le feu, qu'il puisse seulement prendre sur ces brasero là-bas. Bibi yangu aliwaka sasa mimi nitoka nayo ni mukaji mule nilikuwa natumika. Mimi namwambia sasa kama mtu anakubeba moto anze kubeba paka paile makala ilikuwa na jimikaka. Et ma femme croyait que c'est un brasero que j'ai acheté quand je venais du boulot et je lui ai dit quand quelqu'un vient chercher le feu, tu lui donnes seulement le feu sur ses brasero. Kama unabeba ile moto nendo na changa na yako unapikia bwanako biakuria, bwanako atalamusha fujo mwa munyumba paka mutafika ku divorce. Si tu prends ce feu, tu mélanges avec les braises qu'il y a chez toi, tu prépares quelque chose pour ton mari, il y aura un désordre qui va s'élever dans ton foyer et même vous amener au divorce. Quand nous chantons, ce n'est pas tout le monde qui a la grâce. La grâce appartient seulement aux gens qui sont dans les seigneurs. Toi qui es dans les seigneurs, tu peux même prendre tes braises, mélanger avec tes braises. Il n'y aura rien qui sait qui va se passer parce que tout ce que tu fais, c'est caché dans le sang de Jésus. Bengine banongopa kulopola moto sasa nono moto kulopola galake mbo weka moku na Yesu wako atona beba kintu kibaya the fact que on est touché qui natakasiwa na damu ya Yesu. Il y a d'autres qui évitent d'aller prendre le feu chez autrui en disant que ce n'est pas bien. Au moment où toi tu es en Jésus, tu peux prendre quelque chose qui n'est pas bien, mais le sang de Jésus va purifier cela. Lakini ile moto kama unaibeba kama ina bukweli kuisha na bwanako désordre batoto batalukula malaria kantembele batanza kuachiana na vile patakufa ta moya. Alors si ce n'est pas le divorce dans ta maison, il y aura la maladie et ça va commencer à toucher tes enfants jusqu'ils vont commencer à mourir. Mukartie mule nilikala mulikuwa mambo mingi utona fujo natoka fashi sama watanita nikakatazi mais ni moto ile bari beba kwangu batayua kintu. Dans le quartier où j'ai résidé, il y avait beaucoup de problèmes. À un moment donné, il peut y avoir un problème dans une famille, on va m'appeler mais ils savent pas que c'est les feux qui sont venus chercher chez moi. Église baloji beko na malimite mu mitumikio yapo. L'église, les sorciers ont des limites dans leurs œuvres. Si Dieu pouvait leur laisser cette liberté, nous les hommes, on ne devait pas exister. Ces brasero avaient beaucoup de problèmes. Il y avait le feu. Même si la pluie tombait, le feu pouvait s'éteindre. Mais à un moment donné, ça va encore se réallumer. Ce n'était pas seulement moi-même qui avait cette dimension. Tout celui qui est déjà grand dans la sorcellerie avait ses brasero. Et si tu prenais le feu qui s'étouffe ses brasero, tu devais toujours avoir des problèmes dans ton foyer. Pengine parti à mercredi ou à mardi, tu t'engages mon magie blanche d'amionesha démon canou le Lucifer a reparti à pouvoir à kuwaka mando ya bantu. Alors peut-être le mercredi, je vais vous parler de la magie blanche. Je vais vous donner le nom du démon à qui Lucifer avait donné le pouvoir de détruire les foyers des gens. Il y a des gens qui se sont déjà mariés même 5 fois. Anaoa panacha. Bon. Yeko nona sani bi or basha kumusukumia kintu na ile pouvoir iko na démon le banaita akam manake démon séparateur. Et ce pouvoir est accompagné par un démon qu'on appelle akam, démon séparateur. Tu te maries par ici, demain là-bas, c'est ce qui se passe. Jomana ya akam, démon séparateur. C'est ça la signification d'akam, démon séparateur.
lundi, mardi, mercredi, et qu'on a journée à qui les adoraka kuba sataniste bote bamutuni. Tous les jours que nous avons dans la semaine, il y a une jour qui est une journée qui est consacrée à lui. Tous les satanistes du monde sont en train de l'adorer. Kuma église ingine ule akam banamuita sema Saint François d'Assise. Dans d'autres églises, Akam est surnommé Saint François d'Assise. Non, Léon Nishuku Yamisa Yamutakatifu François Jin. George Nakeni Akam et Galaki François. Aujourd'hui, nous allons faire une messe en mémoire du Saint François d'Assise. Son nom c'est Akam, ce n'est pas François d'Assise. Tu sais que si tu entres dans de telles églises, tu seras possédé. Il est un culte des démons. Ça c'est un culte des démons. Si toi aussi un enfant de Dieu, tu entres dans un tel culte, tu seras toi aussi possédé. Au moment où on m'avait arraché le moulin qui me donnait l'argent, j'avais quitté ma maison, je suis allé me réfugier chez un homme politique, c'était en 1986. En 1990, il a essayé de créer un parti politique qui avait eu vraiment du succès, et même ici à Kolwezi, le parti existait. On avait appelé un frère. Je n'aime pas citer le nom de gens, ce n'est pas bien. Peut-être sinon je vais les citer dans la dernière partie. Avant d'entrer dans ce mouvement, il y avait des conditions. Le fondateur de ce parti, il devait se mordre au niveau de son bras. Tout le monde devait sucer ce sang afin que tu puisses adhérer à ce parti. Pour adhérer à d'autres mouvements dans à d'autres branches dans le parti. Donc il est groupe ni groupe ninja. Groupe ninja. Ok, ce groupe c'était le groupe ninja. Pour devenir ninja, il fallait d'abord sucer le sang de cet homme. Quand vous sucez le sang de quelqu'un, vous entrez automatiquement en alliance avec la personne en question. Si vous allez au-delà de cette alliance, vous risquez même de mourir. Je vais bien vous expliquer cette partie. Beaucoup de gens s'y sont en train de souffrir aujourd'hui parce qu'ils ont fait des alliances avec le monde des ténèbres sans pour autant être conscients. Quelqu'un qui a une femme à côté, quelqu'un qui a une concubine, la femme c'est celle. Ils sont dans les copinages avec une femme. Leur amour les a poussés très loin. Église, diable, qu'on a pas démon, pas filatir, ben qu'on a filé penser à mon truc, qu'on a on a mawazu, qu'on a coufilé. Ana wé kamo mukazo sana mouille mawazu, njuka fane mambo ya mubaye. Les diables a des démons qui sont en train de filer les gens afin de connaître ce que vous êtes en train de faire pour vous pousser à faire de mauvaises choses. Non, tushika chana que tushipa galuf. Un qu'on se sépare pas seulement à la mort. Tushika kushikwe tukintu kya kutu séparer. Qui est pas quelque chose qui peut nous séparer. Tufanye alliance. Qu'on fasse une alliance. Pacte d'amour. Pacte d'amour. L'homme fait des incisions au niveau de la langue et il y a le sang. Alors la femme aussi se fasse des incisions sur la langue. Et l'onction d'amour va descendre. Déjà, ma esprit errant, il s'est couché. Et vous allez vous rendre compte que les paroles qu'ils vont commencer à prononcer, il y a des démons qui sont là en train de bénir ce mariage là-bas. Ils vont descendre de haut. Ils même les dates, les certificats, il y en aura, mais après cela ils vont amener ça dans le monde des ténèbres en disant que nous venons de trouver un nouveau couple. Il y aura vraiment un grand amour entre ces gens là-bas.
Si l'autre n'a pas encore vu l'autre, il ne sera pas tranquille. C'est un mariage qui est démoniaque parce que ce sont les démons qui ont parrainé le mariage et ils seront là pour surveiller ce mariage. Ce sont des gens qui adhèrent chez les diables sans pour autant le savoir. Ils feront rien sur la terre qui va évoluer. Parce qu'ils sont contrôlés par les démons, les pactes d'amour sont des principes ou des cultes démoniaques. Principe occulte. C'est un principe occulte. Amen. Amen. Ça, ça chique à conséquence. Suis maintenant les conséquences. C'est en train de faire le copinage. Et la femme trouve un autre mari qui la prend en mariage et la met à la maison. Ils ont bien fait leur mariage, ils sont dans leur maison. Et les démons qui ont parrainé ce mariage viennent commencer à suivre le mari qui a pris cette femme là-bas. La femme ici ne t'appartient pas. Il y aura des blocages. S'il n'est pas fort, on peut même le tuer. Si l'homme meurt, il y aura un autre. Lui aussi va subir les mêmes choses. Il va beaucoup souffrir. Les démons qui ont parrainé ce mariage vont encore attaquer cet homme en lui disant que cette femme, elle ne t'appartient pas. À moins que la grâce de Dieu puisse descendre sur la femme afin qu'elle aille confesser. Église, kuku bintu bile bineshaka mu prière et vitonomba chebote binaishi, mais kuku mambo ngine na lombaka ku confesser mbele ya batumishi. Il y a des choses qui se terminent comme ça dans la prière comme nous sommes et ça se termine, mais il y a d'autres, tu dois te confesser devant les hommes de Dieu. Donc balona confesser, il est pouvoir inanguka. Au moment où tu fais la confession, ce pouvoir là-bas va tomber. Bwana naye anaenda kwa bibi mwingine. Et l'homme aussi va prendre une autre femme. Et c'est toujours les mêmes démons qui iront frapper cette femme. Vous allez sentir que la femme se trouve dans un mariage où il y a tout, mais elle sent que la santé n'est pas là. Elle n'est pas bonne. Après des jours, elle peut même mourir. C'est comme ça que vous voyez, les hommes sont vraiment orgueilleux. Et l'homme orgueilleux qu'il est peut se dire, si tu es en train de souffrir, tu n'as plus une bonne santé, c'est à cause des démons qu'il y a chez toi. Au moment où il oublie que c'est le pacte qu'il avait fait avec une autre femme à travers les sangs, et les démons là-bas sont en train maintenant de frapper la femme. Il a une conséquence à Kwanza. Ça c'est la première conséquence. La deuxième elle est là. La femme ou le mari avec lequel vous faites, vous allez faire ce pacte. La Bible est très claire là-dessus parce qu'elle dit l'homme quittera son père et sa mère et va s'attacher à sa femme pour faire une seule chair. Une seule chair. Et vous avez même dépassé la dimension de Dieu. Au lieu seulement de vous unir avec la chair, vous êtes même allé à la dimension de l'esprit. Vous devenez un seul esprit. Si on essaie seulement de cogner le mari par un véhicule, un mois après, toi aussi, on va te cogner par un autre véhicule. Si le mari se pendait, même si tu es dans un autre mariage, tu ne t'es pas encore confessé, toi aussi, tu vas te pendre un jour. Et ces esprits vont te suivre. Parce que vous avez mélangé votre sang. Et l'homme que tu avais est mort. Les soucis vont tellement te toucher. Au moment où tu vas écouter ce problème, l'esprit va te pousser à te tuer. Au moment où tu es chez toi, tu as d'autres enfants. Église, diable na eko na organisation moya ya yulu. Vous savez, l'église, le diable aussi s'organise comme il se doit. Tamionesha alama ya ule demon anashimamiaka. Il est ma pacte d'amour. Je vais vous montrer les signes du démon qui est au-dessus des pactes d'amour. Vous voyez les cartes que... Le jeu des cartes. Il y a les J. Astop. Il y a les Astop. Comment est-ce qu'on appelle celui-là?
Q-France. On l'appelle Q-France. J'ai entendu quelqu'un dire stop. Est-ce que c'est ça maintenant stop? Amen. Amen. Manake uyu mwanamuke banamuitaka Marie France. Et cette femme on l'appelle Marie France. Ba musicien ba banembaka musique profane mwanza kushikia banamutaka sana Marie France na lola leke moto. Njone galaka muispasa nikalaka yulu mwanamuke. Les musiciens qui sont dans la musique profane citent beaucoup cette femme. Elle est dans les C'est elle qui est en train de parrainer les mariages qui se font sur le pacte d'amour. Suivez un musicien qui avait chanté. Vous avez déjà entendu cette chanson? On a fait publicité à pacte d'amour. Marie France Masiala, pacte d'amour, Lili Kouyek. Il est moins beaucoup moins on a commencé beaucoup publicité à démon. Dans cette chanson, du début à la fin, on est en train de publier ces démons. On a vu les bantu manager adhérer à quoi diable. Voyez comment est-ce que les gens adhèrent chez les diables. Anesha Komba Mumisa. Elle vient à peine de prier à l'église. On a fiancé ou à qui oule bari. Acha na comme présenter mon église bien banayu à ses mani fiancé ou à qui ananz. Itele héritier na fiancé ou. On les a même déjà présentés à l'église, mais quand ils entendent cette chanson, ils commencent à danser et la personne commence à chanter pour son fiancé. Ça ne doit pas te plaire. Vous savez, les musiciens sont nos frères, mais leur erreur se situe au point où ils sont en train de faire des pactes avec les diables pour envoûter les gens afin qu'ils aient le succès. Wow. Vous voyez, ce témoignage n'est pas terminé. Il y aura une suite. Alors abonnez-vous rapidement sur cette vidéo. Activez la cloche pour ne pas manquer la suite. Waouh, ça va être chaud. Vraiment chaud. N'en serait pas vraiment.